Eh bien, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ce soir, c'est lundi soir et on est sur Raft avec Pop-Up. Donc, on continue la construction de notre radeau. J'ai un petit peu avancé sur le plancher de l'étage. Et je pense que sur cette session, on va aller rechercher notre premier point de. Des antennes, moi, je sais pas comment on appelle ça. Tout ce qu'on a construit pour donner des positions. Et on va aller vers la première position. Alors moi, je suis déjà sur le jeu. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Oui, calme. Salut Lorex, bienvenue, comment vas-tu? Alors c'était juste au lancement du jeu, j'avais quelques lags en effet, mais ça a l'air d'être revenu. Normalement c'est bon en tout cas maintenant. Mais ça va servir. Merci. Ouais, c'est juste quand j'ai lancé le jeu, il y a eu un petit peu de lag. Mais ça a l'air d'être bon. Cool. Tant mieux. J'espère que tu vas bien Lorex en tout cas. T'es en PLS. Ah. Fatigué. T'as pas été trop impacté par les inondations ou tout ça. En tout cas. Moi ça va bien. Je suis claqué également puisque j'ai fait des travaux chez moi toute la journée. Il est où l'escalier? Il est là. Ah oui, t'as vachement grandi. Kato. Ah bah j'ai fait l'étage. Pas de temps à perdre. Je vois ça. Je crois qu'on va commencer par un petit dodo du coup. D'accord. Rien du tout côté innovation. Bon bah tant mieux. Mais plein de symptômes Covid. Ah mince. Bon. J'ai soif moi. Bah j'espère que ça va aller pour toi. Les résultats demain. Bon, d'accord. C'est rare, on va tomber. Du coup, on fait quoi aujourd'hui, Kato? Alors, on va se rendre sur le premier point que nous donnait. J'ai les antennes, mais c'est pas les antennes, c'est ce. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le récepteur. Le récepteur, merci. Et puis en attendant, bah, on va continuer à faire ce qu'on a à faire. Hein. Vous avez avancé dans l'histoire, bah on va commencer l'histoire là réellement. C'est ça. On a débloqué la dernière fois les récepteurs et les antennes, qui sont à différents endroits. Voilà, et là du coup on va faire l'histoire. Ah oui, t'as mis la voile en haut aussi. Oui, je trouve ça mieux. J'ai remonté aussi l'arbre. Ça prenait trop de place donc quand j'ai remonté. D'accord. Donc je sais pas jusqu'à où j'agrandis, Bon, on est plutôt déjà pas mal, non? Après, je sais pas si on lui donne une forme, si on ferme d'un côté. Alors, si on fait juste une partie habitation avec des murs et un toit. Bah, tout doit être habitable et parfaitement. Je veux dire, une section couverte. Oh, puis on peut faire une petite terrasse. Bon, là, t'as mis la direction au moins ou? Pas du tout. D'accord. Pas du tout, je me laisse dériver au gré des plots. Attends, du coup, comment ça marche? Ok. Tu vois, quand on en parle là, on va sur le point vert. Bah, 652. Hein. Ouais, ça sent pas mal. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon.
Perso, j'attends la suite des chapitres avec impatience pour continuer le jeu avec Elfeu. Bon. Ah, ils ont. Ouais, c'est... on n'est pas encore à la fin de l'histoire. Là, il y a un truc qui me plaît pas. Avec... Il y a un truc qui te plaît pas, c'est-à-dire. Il y a un truc qui est en haut. Ils volent pas quand même. Si, ils volent ce bout-là. Qu'est-ce que tu vois? Là, le carré sur lequel je suis, il vole. Ah! J'aurais en fait continué d'un cran pour mettre un truc de plus. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, faire une rangée de plus en fait. Bah, il vole, non? Il est accroché au poteau? Ouais. Ils sont accrochés dans les cars en fait. Ouais. Pas sûr que ça tienne beaucoup ton truc, mais ok. Bah, de toute façon, le requin il va pas voler justement pour attaquer celui-là, donc ça va. Ah non, non, mais je te parle en termes de physique. Hein. Ça marche. Mais ta gueule, c'est magique, ok. Le fameux TGCM. Par contre, ça a l'air sympa la nouvelle déco, je vois les escaliers et les planchers. Ah, vous avez, t'avais pas ça dans votre. Ouais, il y a un escalier et puis. Ah, ouais, j'ai mis les vieux planchers de. Pas très évolué. De base, oui, et puis on a les renforcés ici seulement, mais c'est tout. Mais renforcés, ça tient aussi bien que les normaux face aux requins. Donc, bon. Pas sûr. Bon, après, ça tient plus de plastique, on a tellement de plastique, j'ai envie de te dire. Ok, c'est pas mal ça. Non, c'est la mise à jour qui vient de sortir. Ah, d'accord. Bon, je t'avoue que nous on n'a pas. On a commencé après du coup. Bah, je sais que tout ce qu'on récolte là, des. Et les paquets avec les trucs de décoration, ça ouais, j'avais vu. Et par rapport à certains viewers, j'ai vu que bon, le fait qu'on voit les tortues, des baleines, ça fait aussi partie de la mise à jour du coup. Par contre, il y a des vagues. Il est un peu inondé notre. Mais non, c'est un effet d'optique. Commence à faire du poids. Hein. Et salut Hugo, bienvenue, comment vas-tu? Oh. Merci. Qu'est-ce qu'il veut? Manger. Waouh. Ça va super, bah écoute, moi aussi ça va bien, je suis en vacances donc ça va. Et quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc étrange? Je suis en vacances, donc comme je suis en vacances, je l'ai pas encore annoncé sur le Discord, mais j'en ai parlé au début du live, mais il n'y a pas encore beaucoup de monde. Je vais pas faire de planning, il y a un requin qui passe en plein milieu du radeau. C'est ce que je viens de voir. Allô quoi. Ah oui, sans gêne carrément. Ouais, je fais pas de planning du coup sur les 3-4 semaines qui arrivent. Je vous annoncerai les lives en avance sur Discord puisque je risque d'être un peu pris dans les travaux et tout ça, donc voilà. Les travaux et des apéros hein, parce qu'il fait beau donc on va en profiter. On est toujours sur la bonne direction? Ouais, on se décale un tout petit peu mais on fera quoi. Une île sur la gauche là. Bah voilà, je pense que c'est ça. À 300 unités, vu qu'il n'y a pas de. C'est passé laquelle. D'accord. Bien, bah merci, ça devrait aller. Mais je streamerai quand même, mais juste je sais pas exactement quand à l'avance. Enfin, le lundi avec Keto, parce que je vais essayer de maintenir le rythme draft. On a encore au moins quelques lives. À savoir que oui. Le jeu de base est un projet d'études de 3 étudiants, et puis voilà. Ok, bah c'est un beau projet quand même. Allez, cheers. On n'a pas les bonnes habitudes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça c'est fait. J'ai l'impression que ça va être un peu... Ça va plutôt être derrière l'île, hein, mais bon, on peut s'arrêter sur l'île quand même, voir s'il y a des choses à récupérer. Oui. Non, pas... Ah. Ah si, la bouteille d'oxygène. Il n'y a plus de cailloux.
Si, il y a plein de cailloux. Je les ai changés de position. Parce que... Non, j'en avais plus sur moi, c'est tout. Ah. Récupérer des algues, par exemple, ça peut être sympa. J'en ai 16 sur moi. Hein. Tu veux que je les fasse fondre? Bah, du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire. Oui. Ok, d'accord. Hop, et du coup, il veut que je fasse une bouteille plastique. Bonne idée, ça, je reviens. Bah, pas de problème. Manger avant qu'on parte. Ah oui. Il n'y a plus rien à cuire par contre. Manger, j'ai à boire sur moi, donc ça pas de problème. Par contre, la mouette, elle se prend où, du coup? Il y a la grosse, là? Ah, il y a un lama, tiens. Il y a un lama? Mmh. Bah oui, mais alors, le tuer, ça sert à rien. Je sais pas trop juste comment le lui enlever sa fourrure. Si c'est possible. Bah j'ai pas vu d'autres animaux avec de la fourrure donc. Bon, on va voir un peu plus tard. On va l'explorer, voir s'il y a des choses à trouver. Ok. Ah par contre, s'il y a un lama, ça veut sans doute dire qu'il va y avoir un. Un oiseau qui balance des pierres et un sanglier. Ah, il faut que j'ai faim à ce moment-là. Quoi ? Non, en fait, je courais pour défendre le radeau du requin et, à ce moment-là, j'ai. Je te confirme qu'il y a l'oiseau qui balance des pierres. Hein. Pas encore vu, donc ça va. Ça se retarde. Et je suppose que ça doit être un sanglier par là. Oui, il y a un sanglier. Je l'ai raté. Tu parles pour toi ou tu parles pour moi parce que c'était synchro? Pour moi. D'accord. Oh mais il se fout de ma gueule le piaf. Dans les morts. Aïe. L'oiseau t'as vu? Non, c'est le sanglier. Ouah, oh. Il m'a embroché. Il meurt pas. Hein. Du coup, il y a l'oiseau qui est à côté, hein, qui balance des pierres également. Bon, oh, j'imagine que je vais avoir requin, moi. Il est là, ok. Je vais faire le tour. J'ai besoin d'algues. Ok, j'ai tué son billet. Ah mince, attends, je suis plein. Ok, je vais manger ça. Si tu veux une tête de facochère, il y en a une là. Oh, j'ai mis un coffre avec tous nos trophées. Ouais, c'est sur l'étage. Et ça se cumule de toute façon, donc on perd pas de place. Ouais, je l'ai même pas prise. Hein, mais... Ah, c'est honteux. Dis juste que si t'en veux une, il y en a une. Il y a pas grand chose à récolter. Le cuir, on l'a étudié le cuir déjà?
On a déjà du cuir, mais on l'a déjà essayé d'utiliser, mais on peut pas l'utiliser. On en a rien fait pour l'instant. Attends, je l'ai pris quand même. Ah bah oui, de toute façon, ça servira à un moment. Ah, c'est parce qu'il faut de la laine avec. Hein. Que la laine, on l'a pas encore trouvée. Ah, ou j'ai pas encore trouvé comment l'obtenir. Ah, c'est là, j'ai pas trouvé. Est-ce que t'es près du radeau ou pas? Pas du tout. D'accord, c'est pour savoir si on dormait ou pas. Je sais pas si on faisait, on fait un troisième four. Comme tu veux. De toute façon, l'argile, on n'a pas d'autre utilité pour l'instant que faire des fours, donc... Bah, go, au pire, c'est pas grave. Je sais pas, là vraiment. De pire, je pense. C'est un lama ça ou c'est encore autre chose? De sa façon dont il marche, tu vois. Ah! Ah non, je pense que j'ai trouvé la laine. Il y a une biquette. Faut juste que j'arrive à la tuer sans me faire buter par le mec, par le machin là, qui lance des pierres. Ok, bon j'ai trouvé le poisson explosif mais il a fait boom. Il a fait boom aussi bon. Bah, le problème c'est que j'ai tapé une fois et mon arme s'est cassée donc bah je l'avais dans le baba. Je me refasse une arme. Il est passé où le machin là? Je retourne sur le radeau. Ok, il est là-bas. À ta droite là. À ma droite. Oui, il y a un pire. Quoi. Ah, il y a aussi un book. Lama. Bah, c'est le book, c'est ça que je cherche. Lama book. Bah, il sautille. Il tue? Pas du tout, il me fuit, il va vers l'oiseau. J'ai un peu perdu de vue. Donc, je pense que c'est peut-être ça qu'il nous faut pour avoir la. Ah, donc, non. Mais j'ai plus d'armes de toute façon. Donc, il faut que je retourne au radeau aussi parce qu'il faut que je mange. Il va falloir réparer parce que j'imagine que le requin s'est fait plaisir. Bien évidemment. Ouais, ça y est, j'ai faim. J'ai rien sur moi. J'ai plus d'armes, donc on peut faire plaisir maintenant. Alors, on sait qu'il a fait des trucs. Un ici. Devant, j'ai pu en voir un autre. Alors, j'ai peut-être pas chargé devant en fait. Et il me faut un pic. La gomme métal est boulon. On dort du coup vu qu'il fait nuit ou... Ouais bah tiens ça va faire cuire les contours de métal. Après j'irai chasser la le bouc au départ. Tac 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 tac. Ok, je vais juste remplir ma bouteille d'eau.
pas de barre de progression. Pas quand ça fond. Comment est-ce qu'il est ce book? Bah. Il tente de se déplacer pendant la nuit. Ouais, mais on a besoin d'aide. Petit. Et par contre, il y a une caverne à explorer. Il y a aussi le poisson explosif là. Alors. Ah, attends, je trouve des champignons. Voilà, ça c'est cool. Champignons de caverne. Là, on peut creuser. Toc. Et j'étais parti pour faire prendre ça. Et aussi faire des briques. Aminophotus. C'est quoi l'argile en fait? Sable et argile. Voilà, tiens. Hop. Hop. Ah, ça y est, je vois. Voilà. On va faire sécher tout ça. Oh, il fait des petits mais quand on touche. T'as pas honte. Hop, deux. Ok, et ah. J'étais parti pour me faire. Voilà. Donc, 5 substances visqueuses. Une fois. Salut. Ça lag un peu là, je sais. Ça lag chez toi? Le jeu il me lag pas du tout. Ça va bien et toi? Alors je sais. Est-ce que c'est un pseudo que je dois reconnaître? Pas spécialement, ok. Je me pose des questions des fois. Mais oui, ça va bien et toi? Et du coup, j'ai récupéré la bouteille. Bah non, j'ai pas récupéré la bouteille. J'étais monté pour ça. Bon, tiens, prends une bouteille, j'ai soif. Et me faire de quoi faire les bouteilles d'oxygène. Hop là. D'accord, ok. Et c'est ce jeu-là spécialement que vous avez acheté? Et si c'est le cas, tu vas te spoil. Hein. Tac. Ah, ouais. Alors, je sais pas, il est limité à combien de personnes d'ailleurs. En même temps, sur une carte, tu veux dire? Ouais. Je sais pas du tout. Alors, on est deux, mais. Tac. Vous êtes 3 là. Et on peut jusqu'à 4. Ok. Hop, des algues, des algues. Je suis super bien avec l'arc. Regardez la broche. Hein. Plus que 2 substances et 2 cordes. On va 2 cordes pour le faire. Je suis en train de faire. Ovacode rejoint la Graou Family. Et merci pour le follow. C'est cadeau, merci. Je suis en train de faire la bouteille d'oxygène pour plonger plus lentement. Plus loin. C'est vrai que ça te ralentit peut-être dans ta progression, mais. Oui, mais bon, ça passe si je dure plus longtemps solo. Les fonds marins. Tu as à peine que tu consommes la moitié de ton oxygène juste pour atteindre le fond. Bon. Tu prends deux trucs et tu remontes. Voilà. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Alors, c'est pas compatible avec ma tête. Bon, je sais pas quel design j'ai. Bon, je vais retirer ma tête de requin. Aïe! Oh putain,
Je suis touché par... Ok. Bah je vais aller continuer à faire mes récoltes sous l'eau. Ouais. Tiens, mais sur ce petit bouc là, il faut lui en mettre hein, des coups. Eh bah, il se défendre. Hein. Le requin. Il a vachement de HP. Et salut Kev, merci pour ton raid, bienvenue à toi et à tes viewers, j'espère que vous allez bien. On est avec Keto aujourd'hui, on fait du raft. Ah tiens, le bouc il est... non, c'est de lama là que j'ai en face de moi. Ouais, non mais le lama il donne rien. Il arrive vers toi par contre. Ah. Vers moi... Ah oui, effectivement. Et tu... Donc t'essaies de tuer un coup de pique? Non, un coup d'arc. J'ai mis des pics, j'ai mis des flèches. C'est tellement chi draft. Bah surtout avec la petite musique de fond comme j'arrive, ça. J'arrive, je suis fini. Putain. Ah, je peux récupérer tes flèches. T'as récupéré mes flèches? Non, j'ai pas réussi, mais. J'ai mis le E qui s'affichait. Attends, je suis vite fait de chasser ça et j'arrive. Je crois qu'on a pas bonjour fini. De vos arrivants en tout cas, bienvenue à vous. Merci pour vos follow. J'arrive tout de suite. Bah, dès que j'ai fini avec. Les chasseurs padoués quoi. Ouais. Ah, il y a le piaf qui balance des pierres. Ouais, qui je, sais, je sais. Ah, bah nickel. Bah là, il est en pleine course, il voit pas ses messages. Merde. Bon, tu peux pas aller chasser? Si, on peut, normalement j'ai mis des flèches et tout, donc je pense qu'à un moment il va mourir comme le lama. Il court plus vite que nous de toute façon. Il fasse demi-tour, voilà. Ah. Mais bon, il n'y a pas le planifié d'ailleurs, mais. C'est pas passé loin. Pas la bonne arme. Allez. J'ai remis un coup encore, mais. Tiens. Oh, tiens, il y a l'oiseau aussi qui est là. Ouais, je lui donne des coups pour éviter qu'il nous balance des pierres. Alors par contre, sous le sol. Il s'en va dans le sol, c'est pas facile. Le but c'est de les capturer, d'accord, ok. Ah. Ah, ok. Ouais, mais on a rien pour capturer un piaf. Qu'est-ce qu'il veut? Bon, du coup on arrête là pour ça. J'ai pris la pierre. Ok, merci pour l'information, bonsoir du coup. Sharkash, pardon, bienvenue à toi, merci pour ton follow. Ça me fume comme il saute là. Merci Ovatcode pour le follow. Merci à vous, bienvenue à vous. Ah, ça y est, t'as mis. Ça va bien, merci. Bienvenue à vous les nouveaux arrivants. Du coup, comme je disais, on est avec Keto, on est sur Raft. Nous, on découvre, hein, clairement. On fait n'importe quoi aussi. Ouais, il va falloir que je regarde comment on fait pour les capturer, du coup, ces machins-là. Donc, je suppose que ça doit être comme les lamas. Oui. Je sais pas s'il continue à sauter comme ça sur notre bateau. Oui. Bon, la bouteille d'oxygène c'est efficace hein. Eh ben tant mieux. C'est pas facile à faire mais. Bouffe d'abord. Ah requin. Bah oui. Hop, il est mort. Bon. Ok. Bon. Tu es tranquille du coup. Bah nickel, hein, je fais ma récolte. Il y a mes potes. Je te laisse, mon stream. Merci, bah merci pour ton follow, merci pour ton passage. Hein. Et bon, bonne game, bonne découverte. Ah, un petit coffre. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Planche, clou, ferraille, classique. Ah, il pleut sous l'eau. Ok. Ok, d'accord. Ah mince, désolé l'oiseau. Donc voilà notre radeau. On se dirige tranquillement vers le premier signal, mais je pense qu'on n'y est pas. On doit être à 150? 133. Ah, oh, et à l'œil. Donc, comment on fait pour chasser ces machins-là, du coup? Est-ce qu'on a peut-être déjà quelque chose? Remarque, c'est vrai qu'on a débloqué tellement de choses la dernière fois que j'ai perdu un peu le fil. Oh, j'ai pas tardé à avoir faim, j'ai peut-être arrêté de nager. Attraper les insectes, ça on s'en fout. Ah oui, il y a le poisson qui explose là qu'il faut réussir à voir aussi. Ah, j'ai un lance-filet, ok.
Ah oui. Métal, boulon. Plastique. On a. Ça, c'est pas très cher. On a. Ouais, mais ça se trouve, faut en faire plusieurs. Bah, je vais essayer d'en faire un déjà, on va voir. Me lance pas sur moi. Non, je te vois venir. Oh. Ah zut. C'est qui fait faim? Oh, j'aurais dû penser plus tôt. J'espère qu'il n'y a pas le piaf qui va me jeter des pierres. Plastique et boulon. Claque, il manque 3 plastiques. On l'a vu le plastique. Non. On en a énormément de plastique. J'ai dû déplacer les pierres justement. C'est tellement de plastique. Ok. Bonsoir Void. Bonsoir Void. Là, c'était forcé, là. Ok, j'ai un lance-filet. J'ai pas de munitions, par contre. Ah, comment je ferais avec le filet, maintenant? Bah, ça y est, tu l'as fait pleurer. Voilà. Bon, j'avance pas vite quand il fait faim. Ah bon, si, il y a soif, en plus. Bon, la soif, ça, je peux. On n'a pas les filets. On a que le lance-filet, mais on n'a pas le filet. Ah, tu vas là-haut. Allez. Du coup, en effet, c'est ballot.